Salam alaikum. On est ici en présence de Samira. Salam alaikum, Samira. Wa alaikum salam. Samira, une grande supportrice du sport algérien, mais surtout aussi là ce soir pour Imen. Exactement, on est venu soutenir Imen qui est victime d'une campagne de harcèlement et de dénigrement abject. On est venu rappeler que quand on s'attaque à un Algérien, on s'attaque à l'ensemble du peuple algérien. Donc on s'est mobilisé massivement pour la soutenir. Elle a un avantage naturel, génétique, qui joue en sa faveur. D'autres sportifs de haut niveau comme Michael Phelps, qui avait une capacité justement à générer la moitié d'acide lactique. Je regardais encore récemment, le Times avait titré justement ses performances naturelles. Je vois pourquoi Imen serait pointé du doigt alors que justement elle bénéficie des mêmes atouts naturels et génétiques. Donc on est derrière elle, on la soutient fortement. Elle est notre sœur, on l'invite à ignorer justement ses ragots et qui sont en réalité des tentatives de déstabilisation. On l'invite également à utiliser ses capacités au point à ne pas se brider et justement à remporter la médaille d'or, Inch'Allah. C'est une femme qui représente avec brio l'ensemble des femmes algériennes. On est très fiers d'elle, comme Kellyanne Emour, donc on compte sur elle pour amener la médaille d'or, Inch'Allah. Un dernier mot juste pour savoir, parce qu'on a un petit peu ce sentiment de seul contre tous. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois toute cette diaspora répondre ce soir? Qu'est-ce que ça te fait comme effet? Ça me fait l'effet des moudjahidines. On a le sang des moudjahidines dans le sang, donc peu importe qu'on soit seul contre tous, la justice est de notre côté et on gagnera et on vaincra comme on l'a fait par l'histoire. Merci à toi, Samira. Avec plaisir. Salam alaikum.